Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Top, aujourd'hui on se retrouve pour la suite des reliques sur Crash Bandicoot Tencent Trilogy sur PlayStation 4. Et aujourd'hui on s'attaque au niveau Boulder Dash, c'est parti. Alors Boulder Dash, encore un niveau avec la bouboule. Alors comme je l'avais déjà dit précédemment, surtout essayez d'éviter d'appuyer sur les boutons gauche et droite hein, pour pas perdre du temps. Voilà, vous appuyez toujours sur le bouton bas de la manette. Et normalement ça passe tout seul hein. Là vous voyez, là pour l'instant je n'appuie que sur le bouton bas. Là j'étais obligé de me déporter un petit peu. Mais sinon pour la première partie du passage, j'ai quasiment appuyé que sur le bouton bas et ça passe hein. Après évidemment faut bien savoir gérer les sauts hein. Alors là, ici, évidemment, il faut tout péter, hein. 25 secondes, ce n'est pas négligeable. Allez, mon petit Crash. Allez, vas-y. Alors pour ces niveaux, je sais pas si je peux vous conseiller de jouer avec le stick. Putain, je sens que je vais me faire avoir par la boule là. Non, c'est bon, voilà, une 19, très bien. Bon, j'ai mis une seconde de plus. Bon, je sais pas où j'ai perdu cette seconde, mais c'est pas grave. En tout cas, j'ai eu l'or, c'est le principal. Voilà, une fois de plus, voilà, je vous le prouve en image. Voilà, en plus j'étais pas encore une fois pas très loin de la platine, hein, mais voyez... L'or, c'est assez simple à faire quand on sait s'y prendre. Voilà. Allez, on s'arrête là donc pour cette vidéo. Et pour la prochaine vidéo, on se retrouvera pour le niveau Wallhog. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.